l'appelle la grève du siècle. La grève de l'hiver 60-61 est dans toutes les mémoires. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que ce mouvement a aussi marqué le début d'un changement politique dans notre pays. Le ras-le-bol de la Wallonie s'affiche à la une de tous les journaux en ce mois de janvier 61. Et si la Wallonie en a marre, c'est à la fois pour des raisons politiques et économiques. Une revendication de type politique, on va dire, qui existe déjà depuis la fin du 19e siècle, qui est celle de la minorisation de la Wallonie dans les structures belges. Et une autre revendication qui est plus d'ordre économique, qui commence à partir des années 1930, qui est celle en fait du redéploiement industriel de la Wallonie et du rôle que peut y jouer l'État central. La rencontre de ces deux revendications va aboutir à la grande grève de l'hiver 60-61 en opposition à la loi unique déposée par Gaston Eskens. 5 semaines de grève vont paralyser le pays, principalement la Wallonie. Des milliers de personnes sont dans les rues. À la tête de ce mouvement, le leader de la FGTB, André Renard. Des affrontements violents avec les forces de l'ordre feront 4 morts et plusieurs centaines de blessés. Des centaines d'arrestations aussi. Ce mouvement marquera un tournant dans l'histoire politique de notre pays. Alors on dira que cette grève ont été finalement ont symbolisé, ont marqué la prise de conscience wallonne de la population. Un historien dira même que c'est à partir de ce moment-là que le mouvement wallon devient populaire. Nom du mouvement que créera André Renard après la grève. Et donc, pendant 20 années, cette question du fédéralisme va marquer la vie politique belge. Cette prise de conscience wallonne va en effet lancer une période de réflexion politique et de réforme de structure. Une mutation politique qui aboutira 20 ans plus tard à la naissance du système fédéral que nous connaissons aujourd'hui. Il est possible que sans cette grève qui a quand même duré presque 5 semaines, il est possible que, en effet, le mouvement vers le fédéralisme ait été beaucoup plus lent qu'il ne l'a été. Les syndicats et la lutte des travailleurs ont donc joué un rôle déterminant dans l'évolution politique du pays vers le fédéralisme et le redéploiement économique wallon. Ne l'oublions pas.